Bonjour, bonjour les Kikounets, c'est Webkiki de retour sur Two Point Hospital avec notre nouvelle cafétéria et qui fonctionne tout doucement. On a des gens qui sont contents, ils prennent son petit plateau, enfin il prend son petit plateau et il y va tranquillement. Super, hop, nickel. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce qui va pas? Non, pas lui. Alors, chromothérapie nécessaire. Ah, mais oui, mais il faut qu'on débloque du coup la salle. Ah, mais on est toujours en forme. Je pense qu'on va faire une deuxième salle de formation, hein. C'est pas possible. Je sais pas comment on est niveau budget. On est à 321 de profit, donc pas tant que ça, mais on va, je pense, copier cette salle et on va en faire une autre. Parce que là, il faut absolument qu'on fasse des recherches. Alors, on avait parlé de Crow, celle-ci. Lancer le projet. Alors, attends, non, parce qu'on avait lancé une... on cherchait quoi, là? Salle d'aventure, ok. Mais du coup, là, on va lancer le projet sur la Crow. Crow, lancer le projet. Voilà. Ça, on lance plusieurs projets. À la limite, on va peut-être en faire une deuxième. Allez. Ça va vraiment être la salle de recherche dans tous les sens. Voilà, on valide. Et ensuite, on va lancer le côté marmite. Lancer le projet. Hop. Bon, je pense qu'il faudra, à mon avis, des médecins de recherche. On va embaucher des docteurs de recherche. C'est quoi ça? C'est... augmente l'aptitude diagnostique. Oui, mais non, on voudrait des recherches. Ah, on a un psychologue. Oh, on va l'embaucher. On va l'embaucher pour le psy. Hop, c'est parti. Voilà, il s'appelle comment ce docteur? Alors, Naomi Cumberland. Alors, nouveau psy Cumberland. Super. Oula, qu'est-ce qu'il a lui? Ouh, tu fais peur. Ouh là là, un film d'horreur. Jurassic Park est arrivé dans notre hôpital. C'est incroyable. Ou pas. Bon, alors, on va remettre des éléments des bancs. Parce que là, du coup, il en faut ici. Et ensuite, on va mettre ça ici. Alors, voyons voir. Ouais, il y a beaucoup, hein, beaucoup de personnes là. Il faut absolument qu'on fasse la salle. Je sais pas si on... ça se débloque au fur et à mesure. Non, hein. On n'a pas une nouvelle salle. Salle de repos, psychiatrie, cardiologie, c'est toujours la même chose. Hein. Il faut absolument qu'on avance dans nos recherches. Les médecins se reposent. Lui, c'est qui déjà? C'est Troussé. Walter. Il se repose. Un infirmier se repose. Oh, il veut faire de la boxe, lui. Ils sont fatigués, en fait, nos infirmiers et tout ça. Mince. Mais, en fait, on n'a pas... Oh, il y a un robot. On découvre plein de personnages. C'est un truc de fou. Mais, bon. Je crois que notre hôpital n'est pas vraiment au point. Mais pas vraiment du tout. Mais pas du tout, même. Alors... je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse. Et les Kudosh, je ne sais pas comment... Est-ce qu'ils le disent, comment on les gagnait? Utilisez-les ensuite pour débloquer. Oui, mais alors, obtenez ces Kudosh pour votre organisation en réussissant des défis. Ah, d'accord. Ah oui, mais nos défis... on va regarder ce qu'il y a en lettres. Alors, une formation... Demande une formation... Alors, une nouvelle qualification lui donnera les aptitudes supplémentaires. Oui, la promotion assistant, junior, assistant, procureur. Donc, oui, mais... ok. Alors, il veut une formation. On va lui donner une formation. Marketing, c'est ça, en fait, hein, c'est le logo. Ok, formateur disponible. On va en payer un, parce que tout le monde n'est pas disponible. Bon, ça va nous coûter 10 000. Allez, c'est parti, on va le former, comme ça, ça sera fait. Ensuite, nous avons... Ok, ça... Ici. Chirurgie urgente. Un grand nombre de malades nécessaires à l'opération de chirurgie en fait surface suite à la consommation. Bah oui. Mais on a un chirurgien, normalement.
Ah, peut-être qu'il est occupé. Pas encore. Recherche terminée. Ok, ça c'est fait. Demande de formation, pas encore. Demande de formation, pas encore. Ouais, ils en ont plein. Promotion du personnel, c'est quoi? C'est un docteur, donc on va le promouvoir, ça c'est sûr. Promotion du personnel, agent de maintenance, on va en promouvoir un. En promouvoir un. Et demande de formation, ben, pas encore. Ensuite, on a une demande de formation, pas encore, pas encore. Chromothérapie nécessaire, faire attendre le patient. Salle des injections nécessaire. Ah, on n'a pas de salle d'injection. Faire attendre les patients. Notification de démission. Un infirmier junior a finalement décidé de rester. Ah bon, ok. Visite journaliste. Ok. Alors. C'est un peu le foutoir quand même dans cet hôpital. En même temps, j'ai envie de dire. Non, j'allais dire. Non, non, je me tais. C'est un peu dans la réalité, mais bon. Souvent, on attend beaucoup. Mais enfin, là, c'est quand même risqué. Alors, agent, là, faudrait nettoyer la trace. Il y a un journaliste qui arrive. Ce serait pas mal. Est-ce qu'on a débloqué d'autres salles? Parce que là, franchement, on a dépensé énormément en dessous. Mais je ne pensais pas qu'on n'avait pas de salle d'injection. Ah, va falloir débloquer la salle d'injection, hein. Alors, on est comment niveau profit? 29 000. Alors, on va embaucher un autre docteur qui s'occupe de la chirurgie, c'est très bien. Allez, on embauche, c'est parti. Et un autre docteur en recherche, ça aurait été pas mal. On va prendre celui-ci, tant pis. Mais il nous en faut des docteurs parce que là, on est un peu limite. Ah oui, ils sont tous en chirurgie, hein. Alors, du coup, est-ce qu'on dupliquerait pas une salle de chirurgie? C'est bizarre d'avoir que un docteur. Bon, oui, je sais que des employés demandent des formations, mais on peut pas tout faire non plus. Faut pas exagérer. Alors, éléments, poubelle, parce que là, il en manque quand même. Hein. Il y a des détritus un peu partout. Donc, on va en mettre à chaque côté. Ici, on va en mettre une. Voilà. Ici, on a quoi comme. On va peut-être en mettre une poubelle. Ici. Oh là là, on a des morts. C'est un truc de fou. Les plantes sont pas arrosées. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Il est où le docteur là qu'on a embauché C'est fou ça. Allons bon. Un assistant forme un assistant. D'accord. Petite formation, hein. On découvre la réussite ou pas. Ça c'est les récompenses. Ben, c'est pour le marketing, c'est vrai. Bah ben, oui, je suis bête. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Ah, le PDG visite. Bon, je t'en prie, vas-y, fais-toi plaisir. Elle est pas mal, celle-là. Ok. Attendre devant la salle générale. Mais oui, mais j'ai des docteurs dans tous les sens. Oh! C'est un truc de fou. Il y a 11 personnes qui attendent. Oh là 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 là, c'est le foutoir. Ah si, il y a un autre docteur qui arrive, qui remplace. Impeccable. Voilà, il va aller consulter. On va voir ce qu'il lui demande. Il faut récupérer des sous, hein. Là, on est à 1 000 de profit. C'est pas beaucoup, hein. On a plein de courriers. Marketing, promouvoir l'assistant junior. Tu veux? Promotion personnelle, on va les ok, pas encore et pas encore, pas les formations parce que là on va plus s'en sortir, on va plus s'en sortir. Il faut arroser les plantes, il y a un journaliste hein, normalement qui arrive. Ah ça y est, elles ont été arrosées, nickel. Parce qu'elles étaient là, là.
un peu fatigué. Alors, continuons un petit peu. Ça, c'est la star, c'est ça? D'accord, non, c'est impatient. Ok. Oh, Bagadon, c'est fou, hein. Il a un problème, lui. Mais par contre, est-ce qu'on peut pas améliorer... appeler un agent de maintenance pour réparer le mélangeur. Non, on aurait voulu en fait améliorer. On peut pas encore. Bon. Ma foi. Les recherches se font. Est-ce qu'on a des nouvelles salles de disponibles? Toujours pas. Zut. Cardiologie, c'est fait, tout ça, mais... Une file d'attente devant les bureaux généralistes, faut-il qu'on construise... Bah non, on a déjà trois salles, faut pas exagérer, ils sont tous occupés. Donc, hein. Alors lui, il vomit dans la poubelle, s'il te plaît. Bon, ça va, il est propre. Il aurait pu faire ailleurs, mais... Alors... Bah lui, il écrase le ballon. B. Ok. On est un petit peu limite, hein, quand même, hein. On est un petit peu limite. Ah, il demande quelque chose, lui. Ouvrir le message. Le Dr. Punch. Alors, ce serait vraiment agréable de travailler dans un environnement spacieux et luxueux, quelque chose vraiment prestigieux. Qu'en dites-vous? Défi, posséder une salle psychiatrie au niveau 4. Ah, mais on va accepter. Renvoyer le patient, hein, on sélectionne. Mais on va lui refaire sa salle. On va modifier la salle, peut-être, modifier. On va lui mettre des choses, un petit climatisateur. Et on peut pas encore débloquer des choses. Oh, on n'a pas assez de cul-doche. C'est nul, ça. Non, c'est... Là, mettre un prestige... j'ai envie de te dire... On n'est pas encore arrivé, hein. Classeur... Histoire de dire que ça va augmenter le prestige, je ne sais pas. Une petite plante, un extincteur dans chaque salle. Hop, et une petite plante ici en attendant. On valide. Voilà. Je sais pas, niveau. Si on sélectionne la salle, niveau 3. Ah, on y est presque! On y est presque. Confortable, c'est dans le rouge. Ah. Alors, attends, on a des indices. Attrait de la salle, 87%. Et ici, c'est l'hygiène. Ok. Mais par contre, au niveau confort, on n'est pas de tout. Bon, on va voir. Alors ici, guérison 2, échec 1, il faut... Requête du personnel, 21... Ok, mais... Posséder une salle de 4. Oui, on a presque une. Hein. Patient guéri. On court 3. Alors, patient guéri, je sais pas. Je sais plus le défi. Bon, bref, on cache. Ah, chromothérapie est débloquée. Super. Alors, la chromothérapie. Ah, labo marmiton. Chromothérapie, c'est quoi cette salle alors, du coup, parce que moi je vais découvrir. On va découvrir un peu la salle. On va en mettre une là. Je sais pas si c'est grand, si ça demande quelque chose. Ok, pareil de torture encore. Non, je veux pas annuler. On va mettre ça ici. Ensuite. Un extincteur parce que c'est quand même des machines dangereuses. Une petite plante pour le plaisir de la salle. Un petit climatiseur. Hop. Et puis, fenêtre, pourquoi pas. Hein, ça peut être... On peut mettre une fenêtre là. Hop, on valide. Et voilà. Alors, il faut quoi comme un infirmier. Ok. Et toi, tu fais rien, toi, tu peux y aller. Oh, toi, tu fais rien, tu peux y aller. Vas-y, va dans la salle. On va mettre des bancs. Alors, des bancs. Des bancs, des bancs, des bancs. On fera un peu de luxe un peu plus tard, je pense. Mais dans un premier temps, on essaye
d'avoir à peu près toutes les salles. On a la salle Marmiton aussi, hein. Enfin, Marmite. Ah, bon, Marmite. Est-ce que ça rentrerait? Non, ça rentre pas. Ok. Alors, on va la mettre à côté, hein, tant pis. Non, mais non, on veut enlever. Donc, clic droit, on enlève. Clic droit, on met plus. Hop, Marmiton. Oh là là, c'est énorme la machine. Hop, climatiseur. Hein. Maintenant, on va en mettre un peu partout. Il faudra qu'on vérifie dans toutes les salles. Mais dans un premier temps, on va faire ça. Une petite fenêtre pour dire que c'est beau à voir. Hop, c'est parti. Et dans cette salle, il faut un docteur. Ok. Bon, on doit avoir des docteurs normalement. De nombreux docteurs attendent devant des salles gérées par des docteurs. Hein? Ah oui, des patients. Alors, il manque plein de docteurs. Là, il en manque un. Oh, il y a énormément de monde. C'est un truc de fou. Je pensais pas que dans un hôpital, il y avait autant de demandes. Alors, on va embaucher un docteur. Un docteur simple. Hein. On va le mettre là. Hop. Et puis, on va embaucher un infirmier avec injection, parce qu'on aura peut-être besoin. Ils vont peut-être échanger leur rôle. On va voir. Ah, il y a quelqu'un qui arrive avec la marmite. On va bien voir ce qui se passe. Voyons voir. Toc, toc, toc. Ah bah non, ah bah lui, il frappe pas. Lui, il est comme ça. Ah, une salle débloquée. Encore. Cool. Bon, on va pouvoir avancer, hein. Ça va être top, ça. On est comment? Niveau protéines, on est bon. Ok. Oh. Il lui a enlevé carrément avec un aimant. Et hop, c'est guéri. Nickel. Alors, salle. On a une nouvelle salle d'aventure. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il faut grand, il faut quoi? C'est quoi le truc? Bah, quand même. Salle d'aventure. Non, il faut tout ça. Oh! Non, 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 non. T'as vu l'espace qu'il faut? Oui, on va annuler, mais alors attends. Du coup, la salle d'aventure, on va la mettre. On va la mettre ici. Oh, la place que ça prend! Alors, on va mettre la salle d'aventure. C'est un truc de fou! Salle aventure. Alors, salle aventure, c'est du 6 par 5. Ok. Mais il n'y a pas beaucoup de place là. Alors attends, ce qu'on va. Ah oui, d'accord. Ok, l'appareil c'est énorme. Ok, d'accord. Plantes. On va mettre des plantes. Hein, ça fait très aventure. Extincteur obligé. Ensuite, poubelle obligée. Et fenêtres. Bah oui, ça va être spectaculaire, donc on va mettre des fenêtres. C'est énorme. Ok. Ça c'est bon, on va tourner la salle. Hop, et on va la mettre dans ce sens-là. Ça va pas loger là. Alors du coup, on va peut-être faire une salle d'attente. Peut-être un petit coin. Allez, là, et on valide. Oh, c'est énorme la salle. Alors, je suis curieux de voir comment ça se passe. Là, il faut un infirmier. Alors, on va embaucher un infirmier. Infirmier, 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 pas trop cher. Hop, et on va le mettre là. Ensuite, on va mettre une petite salle où il sort. Des éléments de décor, donc des bancs. Les gens vont attendre là. On va voir ce que ça donne. Alors là, je suis curieux de voir comment fonctionne cette salle. On va mettre des distributeurs d'Anka dans ce petit coin-là. Comme ça peut peut-être nous rapporter un peu de sous-sous. Ensuite, le petit coin cosy ici. Voilà. On va mettre un petit coin cosy là. Bon, à côté. Un petit climatisateur. Tac. Ah oui, c'est vraiment tout petit. Ok. Ensuite, le présentoir. Deux petites plantes pour que ça soit joli. Ici. Et ici.
on va en mettre une ici. Pour que ça soit un peu plus chaleureux, il faudra aussi en habiller là, je pense. Hein. Agrandir les toilettes, je pense. Et voilà. Il manque des plantes un peu partout quand même. C'est un peu. Oh là là, c'est cracra. C'est un peu cracra quand même. On va mettre des plantes hein, parce que. Notre hôpital, il est un peu cracra hein, quand même. Hein. Bon, voilà. On aura avancé un petit peu sur ça. Bon, je suis curieux quand même. Oh là là là, il y a beaucoup. Mais en fait, il demande quoi exactement Métropolisme. Légende urbaine. Oui, d'accord. Chance de guérison 50. Il va falloir qu'on. Ça doit être une salle d'aventure, je pense, non? Bon, je serais curieux quand même de voir ce qui va nous. Enfin, ce qui va se passer dans cette salle. Donc, on se dit à la prochaine rendez-vous. À la prochaine rendez-vous, à la prochaine vidéo. Et on se dit à bientôt, les Kikounets, pour découvrir cette salle aventure. Ciao, ciao!